jours qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Effectivement, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, c'est la catastrophe au continent. Je suis tombé sur une vidéo du personnel de santé. On parle de santé, la santé, donc la vie. Regardons ensemble cet extrait. Et on se revoit juste après pour le commenter comme d'habitude. Vous connaissez déjà, non? Je dis bien, regardez et écoutez attentivement. Hein. Ok. Les personnels de santé du centre des urgences de Yaoundé en détresse. Leur posture l'illustre à suffisance, tout comme les messages sur leur pancarte. Une manière pour eux de manifester leur mécontentement. Au cœur de ce courroux. Depuis l'année 2015, on nous a signé des contrats qui nous assuraient une sécurité sociale. Et depuis 9 ans, il y a des retenues dans ce qu'on dit, nos motivations, parce que nous n'avons même pas de salaire. On n'a aucun statut au centre des urgences. Nous sommes ici comme des vacataires, comme des esclaves. Je suis venu ici jeune, voilà 9 ans que je suis là. Avec autant de réflexions et tout, les cheveux blancs ont poussé sur ma tête. Nous sommes en train de vieillir, on a fait les 15 ans. Pas de primes, pas de non-logement, rien, rien, rien. Ils ont au total 17 revendications. Indiqué en noir et blanc sur le mot d'ordre de grève, déposé depuis le 4 mai dernier dans les administrations compétentes, mais resté dans les tiroirs, selon l'un des signataires. Les autres moyens de recours aussi ont accouché d'une souris. On a fait les recours au niveau de la délégation du travail, au niveau du ministère de la Santé. Tous sont au courant de cette situation. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne recevons que des menaces et des intimidations. C'est le moment pour eux de se tourner vers l'État au plus haut niveau. Je lance vraiment un cri de détresse au chef de l'État, qu'on puisse aussi espérer avoir un avenir. Joint au téléphone, le directeur du Curie nous a confié être en concertation avec la hiérarchie. En attendant des solutions, ses personnels entendent continuer à faire le pied de grue ici tous les jours de 7h30 à 12h30. Hey! Pause publicitaire. Mendes Center, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne, allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27, 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement, grâce à l'entreprise Mendel Center. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. En attendant des solutions, ces personnels entendent continuer à faire le pied de grue ici tous les jours de 7h30 à 12h30. Eh oui! Bref, je n'ai pas moi inventé la vidéo. Hein. C'est Canal 2 International. Donc, on fait juste le commenter. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas entendre après là que Franco a dit que Franco a fait que. Bref, je vous présente cette petite vidéo. Mes projecteurs, mais j'avais une question. Imaginez, vous arrivez à l'hôpital, aux urgences. Donc, c'est-à-dire qu'on dit urgence, c'est la vie ou la mort. Le médecin là, il est le seul à décider si tu restes encore en vie ou si tu pars. On dit urgence. C'est-à-dire que petite erreur, petite distraction. On parle de toi maintenant au passé. Il était gentil, il était généreux, il était bon. Urgence! Les personnels d'urgence qui se pleurent. Donc, quand tu arrives à l'hôpital comme ça, long, ce n'est même pas aux urgences. Supposons même que tu as le palu simplement. Tu arrives là, tu es couché sur ton lit. Celui qui vient prendre soin de toi te fait juste un petit congossant en te faisant comprendre que depuis 9 ans, il n'a pas de salaire. Tu vas accepter que le médecin là t'injecte. Non, parlons que ça c'est entre nous. Tu vas accepter que le médecin là t'injecte. Que quelqu'un te dit qu'il a fait 9 ans sans salaire. Ou bien même 9 mois. Ou même 3 mois seulement sans salaire. Attends, toi tu peux accepter que le médecin là t'injecte. Parce que le médecin d'abord même mon frère. Donc lui il fait aussi seulement parce qu'il ne veut pas aller rester au quartier. Donc le gars même, il n'est même pas concentré. Donc il peut même prendre, il peut se retrouver en train de t'injecter le remède du choléra alors que tu as le palu. Hey!
Je comprends pourquoi certains tontons là qui traînent le pays partent là-bas se soignant de revenir. Hein? Parce qu'à cette allure-ci, la famille, médecins de santé aux urgences, les gars se plaignent là que. Oh, les gars font le jambassi, le jambassi, on appelle le jambassi ou le quoi, le con. Hey! Moi je comprends là, maintenant pourquoi quand tu arrives parfois à l'hôpital comme ça là, tu es aux urgences même parfois. Hein. Moi j'ai vu les cas souvent comme ça, tu arrives aux urgences, on ne te gère même pas mon frère. Tu as pris ta main, tu vas mourir comme l'autre mort hier et ça va changer quoi. La vie continue. Tu meurs en classe seulement, on va mettre à la morgue comme les autres. Et c'était bon. Tu dépasses les photos Victor, les cadres de photos qui sont morts depuis là. Tu es mort si tu es mort. Hey! Donc la mort là, vraiment, ça ne sert plus à rien. Mais sauf que c'était un peu de mourir. Hein. C'est ça qui est marrant. Si au moins ça pouvait être comme ça que nous tous on se retrouve dans les mêmes hôpitaux. Avec les mêmes médecins qu'on ne paye pas et qu'on se retrouve là-bas ensemble. Est-ce que nous, on ne va pas nous avoir de problème. Mais le matin, c'est que vous-même, vous noyez que si vous goyez là-bas, ça va n'aimer sur vous. Donc, vous prenez le raccourci, tac, tac, un temps de vous goyez, vous gotez en bain. Prendre les soins. Et vous rebarquez au Mboa. Oui. Vous ne les gérez pas parce que, ah, est-ce qu'il gère un membre de votre famille? Ce sont pas ces gens qui soignent les membres de votre famille, qui soignent ceci ou cela, qui font X ou Y. Ah, nous qui n'avons pas nous de moyens, nous le bas peuple que nous on voit, nous on veut aussi vivre longtemps, nous on veut aussi la vie. Parce que, frappes sont dans les tombes comme ça là, à cause des ouais comme ça où. Que tu arrives comme ça là, le médecin qui pouvait même te sauver la vie. Donc lui, il pense seulement que mon frère, depuis 2 jours, il n'est même pas chop. Mais mon âne n'est même pas chop. Le gars te look comme ça là, que mieux tu dailles même mon frère. Tu fais tes voilà comme moi, il va même te sauver la vie, ça va me donner quoi. Et Atara, Atara, nous on a fait quoi pour mériter ça? Aïe! En tout cas, on laisse tout à Dieu. C'est la seule chose à faire. Nous on prie. Ça va changer un jour. Nous on prie. Nous restons en prière. Prions. Hey. Urgence. Je vous respecte. Partagez-moi la vidéo là. Tu viens de me découvrir. Si tu viens de me découvrir, abonne-toi. Oui, abonne-toi. Bref, de toutes les façons, pour tous ceux qui sont en couple, ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa était un naturopathe, le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsie, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Ok. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Mangué, à 100 mètres de l'hôtel Mangué. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.